Le Cameroun a participé ici à Rome à ces assises dans leur désarticulation. Il y a la conférence de la FAO qui a permis de délivrer le message du Cameroun sur ce thème central de du changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire, pour à la fois dire que la politique définie par le président de la République au Cameroun vise précisément à placer l'agriculture au cœur et au centre de la promotion du développement économique dans l'optique de fournir de l'emploi pour les jeunes et d'assurer le développement rural dans son ensemble. Alors c'est le lien que j'établis également avec la première articulation qui était la conférence ministérielle des ministres de l'agriculture de l'Union africaine, d'Afrique et d'Europe, centré sur cette thématique de l'agriculture durable pour offrir un avenir à la jeunesse. Au Cameroun, précisément, nous travaillons dans la perspective d'une politique que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a baptisée agriculture de seconde génération pour faire en sorte qu'à travers la promotion des chaînes de valeur agricole, on augmente la production, mais surtout on l'optimise de telle façon qu'on prenne en considération les différentes étapes qui fournissent des gains de valeur par étape. Je suis heureux d'avoir entendu la détermination un consensus pour que l'Afrique, et l'Afrique subsaharienne en particulier, bénéficient des accompagnements en termes de financement, en termes de promotion des innovations, en termes de transfert des technologies, parce qu'il s'agit de produire pour satisfaire les besoins, mais pas seulement pour nourrir, mais pour développer toute l'économie. Ces assises nous ont donné l'occasion de partager avec les autres, retenir qu'il y a des engagements qui ont été pris en souhaitant qu'ils soient honorés, mais surtout échanger pour que la coopération, l'échange d'expérience nous fasse relever le défi planétaire de l'optimisation de la production agricole, parce qu'il faut assurer la sécurité alimentaire pour le monde et pour ce faire, notamment promouvoir l'emploi des jeunes dans l'agriculture, le développement rural dans son ensemble. Nous sommes véritablement en phase avec au Cameroun, avec ce que la FAO promeut dans ce domaine.